Nous sommes face au Port Est le 3 février 2015. Voilà, ça bouge un petit peu. Quelques chariots cavaliers ici. Par contre, il y a un vent de face. Là, il y a un autre chariot qui est un peu loin, là, qui était juste devant tout à l'heure, mais qui a bougé. Voilà, donc il y a un bateau sous les portiques. Parce qu'on va tourner par ici, on va prendre ce chemin comme la bicyclette qui va passer là. Voilà, on va prendre ça et puis on va tourner tout le long du littoral nord qui est derrière l'océan là. Et on va remonter sur le port ouest. Là j'ai bougé un là-bas, hein, sur le chemin de béton. Là, voilà le tas de tétrapodes. L'océan et ça. C'est une nouvelle façon. Là, je sais pas comment faire ceci. Je regarde juste un petit peu le nord-est et j'arrête. Bon, j'ai bougé un peu. On voit un peu les tétrapodes là-bas. Alors, je suis venu ici sur le chemin de béton. Commence là avec les tétrapodes, ce qui protège la SRPP. Donc ce que je vais faire, je vais en fait monter comme d'habitude, mais là je vous le montre. Alors je passe sur ce tétrapode ici, je monte sur le deuxième là-bas et je vais grimper sur celui-ci. Là je vois l'océan. Alors après je vais passer de ce côté du chemin de ronde, c'est vers le port ouest. Joggeurs, quelques promeneurs et quelques queues aussi. Voilà. Je vais faire un round trip et je vais remonter. Donc, c'est là que je vais aller. Je vais de ce pas sur les tétrapodes. 1, 2, 3. Et derrière, je vois l'océan. Voilà donc la dalle de béton. Premier tétrapode sur lequel je suis monté. Deuxième, ici même. Je monte, et là je vois donc l'océan avec ses waves, ses vagues. Et voilà donc le dernier tétrapode. Et là je m'élève. Alors je vais vers le coucher de soleil, je ne sais pas ce qu'on en verra, mais j'y vais. Sur tétrapode. Voilà. Alors là-bas la route en corniche. Et ici le port est. Ici la route bétonnée. Ben, nous on ira donc par là-bas vers le soleil couchant. Et pour l'instant, on regarde la maille qu'on voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent. La maille, bergère d'Afrique infinie, la maille. Oh!
Je te salue, vieil océan. Nous sommes arrivés au bout du chemin bétonné de l'autre côté. Alors là, on s'est rapproché, comme d'habitude, des deux jetées. Voilà, elles sont ici. Bon, le soleil, il est par là, pour l'instant absent. Et il ne devrait pas rester longtemps vu que c'est bientôt le coucher de soleil. Je dirais même mieux, il y en a pour 7 minutes encore. D'après l'heure, il est 7h-5 et normalement il se couche à 19h02. Donc on va voir. Je crois qu'on verra rien d'ailleurs. Les jambes. Voilà le petit hors-bord qui se fait la chave. Pas très fort. Mais elle est là. Voilà, les 19h02, normalement on est à l'heure du coucher, mais comme depuis quelques jours, 2-3 jours, 4 jours, on n'a pas notre soleil dans l'axe là. Voilà, les deux jetées au ouest, quelques luminosités. De jeter petit tableau. On va le voir sortir près du poteau là. Il y a de l'image, voilà. Il frôle. Bon, nous on va donc sur la jetée, on va voir si le bateau est toujours ici là au quai de la Farge. J'essaie de faire des petits plans avancés maintenant que je ne faisais pas avant, mais j'essaie de voir ce que ça fait avec une tablette là. Bouger un petit peu, travelinguer. Merde, ah ouais, je voulais aller là. Ouais, je vais aller sur ce tétrapode.
port en port. Bien sûr, la 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 la. Voilà. On passe entre les tétrapodes posés sur la commode. Le prolongement de la jetée, la sortie de la jetée. De vague en vague, de port en port, de tétrapode en tétrapode. Ta-na-na-na-na-na-na-na, ta-na-na-na-na-na-na-na, je t'aime encore, je t'aime encore. Voilà mon tétrapode tout à l'heure, mais là j'ai fait un petit saut ici même. Enfin, je suis sur un autre tétrapode. J'ai une vue plus libérée de ce côté-là. Je ne suis pas bloqué par la vue de ces gros containers, j'allais dire. C'était très fun. La houle. Je serai lassé de la houle. Je pourrais dire que je suis lassé de la vie. Comme la vie. La houle est sans cesse la même, sans cesse différente. Jour en jour, ça a le goût. Mais c'est pas pareil, c'est différent. Alors les jours de cyclone, les jours de tempête, c'est encore pire, mais c'est comme dans la vie. Les jours qui se suivent un peu mornes, mais quand même différents. Et vague après vague. Et ça fait des grands. Et ça fait des grands. Car chez ces gens-là, monsieur, on ne triche pas. Allez. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.